Des détails dans les instants cruciaux. Voilà ce qui a permis de départager Sarafel et Nîmes dans ce duel de costaud ambitieux. Des imprécisions pour l'élève varois dissipé, coupable de deux pertes de balles dans le money time. L'USAM n'en demandait pas tant. Les deux flèches Robichon-Sanad sont là pour donner le coup de grâce et offrir aux Gardois un premier succès retentissant. Encore une fois de plus, on perd le premier match, hein, ça fait 4 ans qu'on perd le premier match. Il faut juste retenir qu'on est capable du meilleur comme du pire. Et le plus dur, c'est de rester régulier. Sarafel semblait pourtant surfer sur sa bonne dynamique du Trophée des Champions. Au début du match, Nîmes manque de réussite et est trop souvent pénalisé. Le meilleur buteur de l'histoire du championnat, Raphaël Cocheteux capitalise sur 7 mètres. Mais la force de la Green Team, c'est son impressionnant caractère malgré une base arrière en difficulté et privée de Garin. Plus rigoureux en défense, les Gardois retrouvent des couleurs grâce à un excellent Rémi Desbonnets. Il brille aussi sur jeu rapide. Mohamed Salad est imperturbable avec 10 réalisations au total. Plus 3 à la pause pour Nîmes. On n'est pas très bien rentré dans ce match. On est monté, on est mené 1-5 au début. On s'est pas affolé. On est revenu en équipe sur nos points forts. La défense, la montée de balle et le jeu rapide. À la reprise, nouveau coup de moins bien nîmois. Le SRVHB passe un 6-0 à son adversaire. Grâce à ses hommes forts, la belle satisfaction Mapou à l'intérieur. L'inusable Cocheteux et la recrue Gaïdouchenko, auteur de 5 buts. La suite, on la connaît. Sarafel manque d'attention et de concentration dans le final. Le duo Robichon-Sanad offre un premier succès de marque à une équipe désireuse de changer de statut. Il y a plus d'envie, il y a plus d'intensité, on met plus de plaisir et plus de jeu collectif. On a fait un grand match, venir s'imposer à Sarafel à la première journée, c'est compliqué. C'est très fier des gars de l'équipe, tous les joueurs et le staff complet. Nîmes aura l'occasion de confirmer face à Cesson Rennes et à Ponto Combo.